Vendredi 16 décembre, le comité du Var de la Ligue nationale contre le cancer conviait tous ses patients à fêter Noël avant l'heure. La décoration de Noël de la salle était assurée par les patientes du comité du Var et c'est dans une atmosphère festive que s'est déroulée cette attachante manifestation de fin d'année. Plusieurs patientes avaient préparé le buffet, ainsi cakes, gâteaux, roulés, tapenades, enchoyades, petits fours et bien d'autres choses appétissantes attendaient les nombreux convives présents pour cette occasion. Janine Bello, secrétaire générale du comité, s'est attachée à présenter les nouveaux venus ainsi que les membres de la commission d'aide sociale qui prend une importance grandissante dans le soutien des patients au fil des années. Vous savez que la Ligue, chaque fin d'année, a le souhait très cher de penser aux malades et on fait cette petite réunion d'arbre de Noël pour donner un petit cadeau. Ce n'est pas grand chose, mais c'est simplement pour en fait que vous sachiez que nous sommes là et que si vous avez besoin de notre aide, il ne faut pas hésiter à venir nous contacter puisque nous sommes à votre écoute. Alors justement, je vais vous présenter quand même notre équipe déjà. Alors, on va commencer. Où est-ce qu'elle est, Chantal? Oui. Voilà. Chantal Perrois, qui est notre responsable de la commission sociale, et son équipe, alors Martine, le docteur Roux qui se cache derrière ses dames. Et c'est vrai qu'au travers justement de toutes ces demandes qui nous sont faites, nous nous apercevons qu'il y a malheureusement beaucoup de problèmes et de personnes isolées. C'est pour ça que nous essayons de les faire se réunir en cette occasion. Alors je voulais également vous présenter des nouvelles venues, puisque elle est toute récente, nous avons créé une délégation sur la ville de Bandol. Donc je voulais vous présenter l'équipe bandolaise, c'est comme ça que l'on dit. Oui. Alors, avec Daniel N. Voilà. Marie-Françoise. Et puis et une toute nouvelle recrue aussi qu'on a rencontrée il y a très peu de temps, Nicole, qui vient se joindre donc à ces deux personnes et que j'espère sur. On fera des choses très agréables. Alors, bienvenue à vous et merci. Je voulais également, parce qu'elle est cachée là-bas derrière aussi, une nouvelle bénévole, Dominique, qui est une ancienne infirmière qui vient de prendre récemment sa retraite et qui a choisi de nous rejoindre et qui va être chargée de la prévention. Chanson, gaieté, bonne humeur, poème, agrémentaient cette sympathique manifestation annuelle. La vie, c'est un sourire, une larme, des souvenirs, des espoirs, des jours bleus, des jours noirs. La vie, c'est toi, c'est moi, c'est nous, c'est toi.
cette chanson, elle est dédiée à vous, mesdames. Ah, super. Normalement, ça serait plutôt un monsieur qui la chante, mais une femme peut très bien la chanter aussi. Donc voilà. Bon. Elles ont une âme, les roses, car ce sont des femmes, les roses. Elles en ont tous les charmes, beauté, tendresse et larmes. N'effeuillez jamais les roses, car dans le secret des roses, une âme de femme est enclose, et c'est elle qui souffre quand on fait mal aux roses. Madame, vous appréciez toujours autant cette manifestation ? Ah, c'est magnifique, c'est très bien. Ça nous permet de nous retrouver, on n'a pas trop l'occasion. Et en plus, on est content de se voir, voilà. En bonne santé. Ça nous permet de nous retrouver toutes et c'est très agréable. Voilà. Ben, j'apprécie toujours autant de me retrouver avec des gens qui ont eu un peu les mêmes problèmes que moi. Hein. Et ça permet d'échanger et de leur montrer qu'on peut aller bien après. Bon, je participe à la cuisine, je faisais la gymnastique, maintenant je ne la fais plus, mais j'aime bien retrouver un peu toutes les anciennes, voilà. Je suis venue par ma copine Brigitte, que j'ai connue chez le même kiné, voilà. C'est une découverte pour vous. Oui. Vous appréciez ce genre de manifestation ? Oui, mais dans tout ce monde, le bruit, ça me fatigue, en fin de compte, parce que moi je suis... Isolée dans ma bulle, bon, moi c'est kiné, course et maison, quoi. Ben c'est super, hein, hein. Ouais, c'est super. Ça a été beaucoup de travail pour organiser tout ça. En tant que bénévole, je me suis chargée de la décoration de Noël, donc voilà ce que ça a donné pour la salle. Merci. C'est vous qui avez été avec quelques camarades. Oui, avec des camarades, j'ai eu des aides de camp cette année. Nous étions 4 pour la décoration. Voilà. Mais j'ai dirigé pour certaines décorations, il fallait être un petit peu être là, présente. Mais elles sont super. Un événement qui ne pourrait avoir lieu sans les généreux donateurs varois, comme le rappelle Janine Bélo. Quand nous faisons ce genre de choses, et j'insiste là-dessus, c'est quand même grâce aux donateurs varois. Hein. Si les donateurs varois ne nous donnaient pas d'argent, il faut quand même bien savoir que nous ne pourrions pas faire ce que nous faisons. Donc nous devons de gérer cet argent que nous avons momentanément du mieux possible, en ne lésant pas non plus toutes nos activités de prévention, d'aide à la recherche et d'aide sociale. Donc c'est un petit plus qu'on vous offre en fin d'année et je pense que vous saurez l'apprécier. Voilà. Les cadeaux pour les patients inscrits aux multiples activités du comité étaient distribués dans la bonne humeur. Cette cérémonie annuelle rapproche au fil des années les patients, les adhérents et les responsables du comité du Var, créant ainsi une osmose essentielle permettant de lutter ensemble contre la maladie et de renforcer leur détermination dans la lutte contre cette épreuve qu'est le cancer. Très bien, c'était parfait, c'était super sympa. Je suis assez récente au niveau des activités, il n'y a pas longtemps que je suis inscrite. Je suis enchantée. Je regrette de ne pas l'avoir connue plus tôt. Ah oui. Beaucoup de solidarité entre nous, tout ça. Les intervenants sont très bien. Ah, c'est vraiment une belle chose. Super, une belle matinée, vraiment. On a été gâtés. Super, super, vraiment. Ouais. On a eu des cadeaux, surprises, on a hâte de les ouvrir. On attend le Papa Noël pour les ouvrir, avoir la permission, voilà.
de belles rencontres aujourd'hui. C'est tout ce que je veux dire. Alors vous repartez les mains pleines ? Oui. On repart avec les mains pleines et surtout un bon souvenir, et ça fait très plaisir de voir toute cette personne là dans la joie, et puis j'espère que ça continuera. Oh, and the joy of